Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Nous enchaînons une nouvelle VOD de Ark Survival. On est sur le dos de notre très chère Nota Barbie Girl, notre Wyvern bien sûr. Puissante, hein, imposante, violente, mais gentille tout de même, on l'aime bien. Hein. On l'aime bien. Alors, je vois dans le chat que ça parle de dragon, mais c'est une Wyvern. Une Wyvern, ça a deux pattes, un dragon, ça en a quatre. Il y a d'autres petites particularités qu'on pourrait citer, mais je vais m'arrêter là pour l'instant, je ne suis pas un professionnel, Léos. Je parle comme Donatien de Montazac, c'est horrible, je ne fais pas exprès. Du coup, j'avais dans l'idée... Regardez ma base là, incroyable. J'avais dans l'idée d'aller chercher un Spino. On voit les îles volantes, regardez... là, au milieu de mon écran, au-dessus de mon dragon, il y a les îles volantes là-bas. Il y a de magnifiques coins. Et il y a des Spino là-bas, ainsi que des Carquinos. Mais les Carquinos, on en tamera... dans Aberration, le jour où on le fera, je pense. Ou on verra avec mon pote. Mais bref, un Spino, j'en ai envie. Et alors, je m'étais dit, j'irais bien là-bas, mais sans y aller en volant, quoi. Je me dis, je pourrais y aller en bateau, mais le problème, c'est que c'est très très loin. Donc, que faire? On va faire du repérage. Ouh, ça freeze. Ouh, ça freeze. Arrête de freezer, là. Oh, freezer, là, stop. Stop, 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 stop. Oui, on est en plein écran. Je sais, hein, c'est parce que je voulais profiter un peu des paysages. Vous laissez profiter, vous aussi. Je voudrais faire du repérage pour savoir exactement... Arrête de friser. Savoir exactement où est-ce que je peux trouver les Spino. Pour savoir dans quelle direction je devrais me diriger en bateau. Et je crois que le bateau, c'est mort. Faudrait que je fasse le tour par la droite, là. On irait en Wyvern, alors. Mais c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage d'aller... Ouh là là, le... Ouh là là, la météo. Ouh là 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 là, la météo. Mais sans inventaire, qu'est-ce qu'on a, là? Je vais finir par la montée de level, hein. Pas vrai, y a pas de cam. Attends, quoi? Ah oui. J'avoue. On kiffe les Spino. Tu kiffes, toi aussi? Trop bien. Moi, je comprends pas pourquoi, sur ma map, les Giganos ne spawnent pas. Ils sont très rares, hein. Tu joues sur quelle map, Nug? Alors, attention. Attention, le freeze ou pas? Oh, ça s'est fait, mais tellement sans freeze, la transition! C'est incroyable. J'adore. Bon, waouh, la luminosité ici, y a un délire, hein. Envole-toi avec Nota et Batasha. J'ai pas la musique en tête. J'ai pas de rythme en tête. Je suis désolé. Alors écoutez, c'est simple. La mission ici... La mission ici, ça va être de se poser à un endroit. De regarder un peu si on trouve des Spino. Et peut-être, probablement, de faire une petite cabane, d'accord? Pas ouf alors, je rigole. Léos. Léos, Léos, Léos. Tu vois, j'aurais aimé venir ici en bateau, en dessous, là. Ouh là, mon endurance. Ouh là, il faut que je me pose, sinon on va tomber dans l'eau. Il faut que je me pose. Waouh, mais c'est incroyable ici, j'oublie. J'oublie à quel point c'est incroyable ici. Bon, c'était un peu bugué, là, hein. On dirait que ça devait charger la zone, hein. Ah, c'était tellement clean, t'as vu ça? Nota. Les Spino sont toujours dans la flotte, ouais, ouais. Mais tu vas voir, j'ai un endroit, on s'était baladé à l'époque ici avec des belles musiques magiques. On va laisser les musiques de The Witcher, hein, mais on était venu ici en mode explo il y a très longtemps. J'avais trouvé un endroit assez... Oula, 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 oula. J'ai vu un papillusion, Graan. Là-bas, il y a un papillusion. Il y en a deux, même. Alors, c'est de quel côté? Est-ce que ça se passe en haut? Je crois que c'est en haut. Il y a toute une zone qui est très très grande, où les îles sont vraiment reliées, où il y a plein de plats, où on peut se balader. Ah, je crois que c'est ici. Ah, c'est ici, hein. Que vois-je là-bas? Un Spino, un Carquino? Allez, les saloperies, hein. Ça, on n'aime pas ça. Et là-bas, il y a déjà un Spino, ici, là. Putain, la Wyvern, arrête de te balancer un peu. Il est où? Attends, il est où? Et quel level? 50. C'est aberrant, Spino? Ah, c'est un Spino d'aberration, genre, il brille dans le noir, quoi. Attends, parce que là, on bouge trop avec elle.
Montre-toi, dévoile-toi un petit peu. C'est ça l'espion, les amis, et c'est ça que j'aimerais capturer. Alors, on va peut-être pas le faire aujourd'hui, hein, parce qu'il est tard, donc je ne sais vraiment pas. Mais on va se poser, on va essayer de voir si on peut pas faire une base à un endroit, en évitant ces saloperies-là, parce que ça saute très très haut. On va sur une petite maison. Ah ouais, ouais, les spinos. Oh là là, ils sont imposants. Hein. Oh là là. Les paysages sont dingues. Hein. Ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Ici, c'est une zone magnifique. Écoutez. Je voudrais l'explorer à pied, cette zone. Quitte à prendre des risques. Je voudrais l'explorer à pied, mais il faudrait que je fasse un lit et tout. Je suis venu ici avec rien. J'ai pris aucun équipement. On voit qu'il y a des aigles bloqués dans les arbres. Regardez là, dans les racines, là. Ah, il est sorti. Où est-ce que je pourrais m'installer? Oh, il y a encore de l'eau ici. Tapez, où ça frise? Il y a un raptor dans l'eau, là. Oh. Mais c'est une zone incroyable! Attendez, je cherche le cours d'eau. Parce qu'il y avait un cours d'eau, il me semblait. J'ai pas envie de trop explorer de moi-même comme ça en volant. Ah mais voilà le méga cours d'eau. Il est là le méga cours d'eau, ici aussi il y a des spinos en général je pense. Mais c'est trop beau. Attendez, où est-ce qu'on pourrait faire une base accessible à pied? Regardez là, là c'est en hauteur, là ça pourrait être pas mal ici. Est-ce que c'est dangereux ou pas? Est-ce qu'on peut descendre facilement? Écoute, Nota, tu bouges pas, moi j'ai un peu peur mais... On va y aller à pied. On va voir un peu à quoi ça ressemble de ce coin-là. Il y a un écus là, incroyable. Est-ce que j'ai accès ici? Est-ce que par ici je peux descendre à pied? Oh, il y a une descente. Il y a un raptor. Attention. Oula, il attaque le stégosaure. Attention, ça va être la guerre. Il est où le raptor? Je ne vois plus. Le raptor a l'air d'attaquer quelque chose. Bon. Ok. C'est une zone qui me semble prometteuse, bien qu'un peu grande, donc... Ouais, elle a vu. Oh là là, est-ce que la vue est importante? La vue est importante. Est-ce que là, on est bien ici ou pas? On est très bien, on a une vue sur la flotte. Je pense qu'on va continuer de chercher encore un petit peu, les amis. On va continuer de chercher un petit peu. Ah, je pense que t'as encore rien vu, Leios. Enfin, t'as encore vu aussi, t'as déjà vu pas mal de trucs, mais... Il y a beaucoup, beaucoup de décors différents dans Ark. Est-ce que je continue de ce côté-là? Ce serait incroyable de se poser ici, là. Juste là, là. Et là, le décor. Ouais, bon, là, avec la luminosité, mais c'est incroyable! Ah ouais, c'est galère, les écus, à capturer ces galères. Oh, les frises. Ah bah, il y a des carquinos, là. C'est des crabes géants, en fait. Ça, c'est horrible, hein, ces trucs-là. Je pense que j'aurais retourné un peu sur mes pas, parce que la zone était magnifique par là, donc je retourne un peu sur mes pas. Oh là là, tous les oiseaux qui volent, là! Il y a une cascade, ici. Oh là là là, c'est beau, hein. Natalia, il n'y a plus le chat, là. Il n'y a plus le chat, Natalia. Attends, je le remets pour toi. Ça a peut-être un peu bugué. J'aurais pas dû. J'ai eu un gros freeze dans le jeu. Ça a été? J'ai eu un de ces freezes dans le jeu, j'ai eu trop peur. Allez, on va arrêter de trop... Hein, le plein écran, c'est bien, mais bon. Hein. Le con! C'est magnifique. Je sais pas où m'installer. Je sais pas où est-ce qu'on va s'installer. Peut-être ici? Moi, je voulais faire ça avec Ghost Anima, de base, mais... bon, hein. Ghost, il traînait la patte, là. Je sais pas, on dirait que je tourne en rond, là, mais... Mon endurance, ça dit quoi? Non, ça va. Attends, moi, je suis arrivé de ce côté-là, on est d'accord. Je suis arrivé derrière cette île. Putain, mais le soleil et tout, j'adore. Moi, je suis arrivé par ici, c'est là qu'on a vu le Spino. Ouais, c'est ça, on reconnaît, d'accord. Ah non, il faut qu'on aille se mettre près du cours d'eau, hein. Ici, c'est... Ah, il faut qu'on aille près du cours d'eau. Il faut qu'on aille près du cours d'eau. Ouais. Ça ressemble à quoi sur la carte ici? Je vois.
Je vois, je vois. Et si je continue par ici, à quoi ça ressemble? Ok, des berges assez plates partout. Ouh là, il y a une branche qui m'est sympathique. Si je faisais une base au bord de cette branche. De ce côté-là. Ouh là là, il y a un spino. Ouh, ça semble bien ici. Ouh, ça semble très très bien. Ouh là, petit bug. Il est beau le spino là, non? Il a une belle crête. Quel level es-tu? Ouh là 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 là, mais il y a des saloperies là-bas. Il y a des chevaux qui se font attaquer par des crocodiles. Des sarcosuchus. Niveau 90, ouais. À part les triceratops. J'aime bien l'idée d'être ici. Avec les branches là au-dessus, j'aime bien. Par contre, ah, je me rends compte que si je fais une base là, il n'y a pas beaucoup d'arbres, hein. Je peux pas récolter du bois facilement. Ou alors je fais une base sur le tronc d'arbre. Attends, mettons-nous à pied. Ça dit quoi la place ici? Si je fais une petite maison sur le tronc d'arbre. La vue n'est pas aussi belle que ce que. Ah, la vue n'est pas aussi belle que de l'autre côté. Hein? Hein? De l'autre côté, c'était plus grand. Il y avait une vue sur un peu sur toutes les îles et tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça me. Je suis occupé d'hésiter. Est-ce que je continue un peu par là? Je pourrais continuer tout droit. Hein. Pourrais continuer un peu par là. Waouh, mais c'est magnifique, c'est magnifique. On était déjà venu ici, tout ça, on avait déjà vu, mais. Bon là, j'ai l'impression que. Ouais. Ouais. Ouais, le tronc d'arbre, c'est peut-être une bonne idée, hein. Oui, c'est vrai, il y a des ruines ici. Il me semble que ça servait à rien, ces ruines. On était déjà venu ici, on avait déjà vu un peu. Il y a des fleurs bleues à crever, mais il n'y a rien d'autre, hein. Il y a un spécial ici. Ah désolé, vous avez peut-être l'impression que je fais rien, mais j'observe les environs. Pour savoir où est-ce qu'on va s'installer, ça me semble important. Après, ça doit être un bon spawn hein, sur ce tronc d'arbre ici, il y a l'air d'avoir des créatures ici, des spinos, carquinos, et en face il y a pas mal d'herbivores avec une forêt. Donc je pense que ça peut être bien. Ah, ça me fait plaisir, yeah. Ouais, je crois que faire une petite cabane sur ce tronc d'arbre géant, là, ça pourrait être vachement cool. Sur cette racine. Dans l'idée, c'est sympa, quoi. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas, mais dans l'idée, c'est sympa. Ouais, on va faire ça. On va faire ça, je pense. Mais c'était tellement magnifique par là! Je vais arrêter, on va faire ça. Je vais arrêter de me prendre la tête. Bon. J'ai pris aucun matériel avec moi. Je dois faire gaffe parce qu'ici, c'est dangereux. Ce qui serait bien. C'est que j'arrive à me faire un lit. J'ai été con, hein. J'ai rien pris avec moi, hein. Nota, t'as quoi dans ton inventaire? T'as un peu des trucs, t'as un peu des pots ou quelque chose? Ou t'as vraiment rien? T'as vraiment rien, Nota. Nota, t'aurais pu prendre des choses avec, quand même, s'il te plaît, là. Trouve-nous un petit coin cosy. Mais qu'est-ce que t'en penses, Keoki, toi? Petite Arte version Arc, c'est clean. Ça fait plaisir. Moi, je pense que cet endroit est pratique, en fait. Parce que en dessous, bon là on voit pas, mais dans l'eau il y a des trucs, hein. Je crois que le spino d'ailleurs il est quelque part dans l'eau, mais je suis pas sûr. En fait, cet endroit m'a l'air pratique. La nuit va tomber. Merde. Au pire, on verra, on va faire un petit lit, on va se la jouer très safe, très simple, d'accord. Je vais quand même remettre mon interface pour voir un petit peu. Enfin, je dis faire un petit lit, mais j'ai pas de peau, donc ça va être complexe. Ça me donne très vite des ressources, hein. J'ai le mollo, là. J'ai le mollo. Prendre un petit peu de fibre. J'aurais dû prendre du matos avec moi, hein. Mais en même temps, c'est cool, si on redémarre, hein. C'est cool, hein. LRS Gringo 5980, bienvenue. Bienvenue, merci pour ton follow. Installe-toi. Installe-toi. Le
vais mettre un peu quelques ressources ici. Merde, j'ai mis les flèches. On va garder les flèches quand même. D'ailleurs, on va s'en équiper l'arbalète parce que... Oh, mon arbalète est presque pétée. Oh mon dieu. On va mettre la moitié ici. Dépose, dépose, dépose. Dépose, 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 dépose. Et merde. Hop, ça je garde. Bienvenue à toi. Il va faire nuit. Il va faire nuit. On va faire des torches, bien sûr. Dans l'eau, il y a un truc. Il y a un carquin 950. Il y a des piranhas. Je me demande où est passé le Spino. Hein. Il est peut-être juste de l'autre côté, le Spino. Peut-être qu'il est en dessous de moi. Peut-être qu'il est mort, le Spino. Alors, est-ce qu'il y a des petits herbivores sympas qu'on peut tuer facilement? Parce que j'ai pas envie de tuer eux, là. Oh là là! Qu'est-ce que j'ai vu, là? Oh! Oh putain! Oh putain! Ça saute si haut! Ça a sauté si haut! Les carquinos, donc les crabes de haut. J'ai vraiment eu peur. Hein. Les carquinos peuvent vraiment. Ça là. Ça saute. Hein. J'avais oublié à quel point ça saute. Oh. Oh, Stevie! Bien ou quoi? Comment ça va, Steve? Comment ça va? On est dans Arc, installe-toi. Hop, écoute, on va aller buter des créatures. On va aller chercher de la peau avec, hein, tant pis. Après, il y a les sarcos là-bas au niveau du sol. On va aller buter les sarcos. Ouais, je sais pas. On va augmenter le gamma pour vous un petit peu quand même. Ça, il fait un peu plus clair. Il fait trop clair peut-être même, non? C'est plus vraiment la nuit là. Comment ça va, Stevie? Tu connais ce jeu, hein? Je t'avais déjà causé. Hein. Bon, désolé, j'ai besoin de peau. Donc je vais. Ah, j'ai vu un petit truc là. Ou alors je vais tuer un bronto... Oh, mais c'est magnifique ici! De nouveau, c'est magnifique. Allez, on va le tuer, lui, là. Il nous donnera beaucoup de peau. Donc, objectif, hein. Moi, je voudrais me tamer un Spino. Et pour ça, je suis venu dans cette zone qui est incroyable. Je me dis qu'on va se faire une petite cabane en mode explorateur. Et qu'on tamera le Spino sans doute la prochaine fois. Hein. Il a blindé de vie. Je me demande quel niveau il est. J'ai pas vu de dodo depuis longtemps, moi. J'en vois jamais sur cette map, Gran. Je suis dégoûté, d'ailleurs. Ces crabes-là... Non, mais de ouf. Mais tu sais que ça m'a vraiment mis en PLS, hein. Arrête, il fouille. Top. Arrête de fouiller, il est en sang. Je peux pas le cracher du feu, j'ai plus d'énergie. Attention. Ouais, j'ai plus d'énergie. Pose-toi. Désolé, hein. Je suis un peu... Allez! Meurs! 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 Il est en sang. Hein. C'est bon, il est mort. 86 pots? C'est combien de pots, un lit? C'est combien de pots, un lit? Oh, c'est 40 pots! Oh, bah nickel! Nickel, nickel! Cette zone est magnifique. Je crois que je vais diminuer un poil la musique. Elle m'oppresse un peu. Attends, c'est du The Witcher, hein. C'est du lourd, hein, les amis, mais... Est-ce que je peux diminuer aussi dans mes oreilles tout court? Ah, ça se cause de toi, en fait, Batak. Les dinosaures n'existent plus. Tu nous l'as caché. Ça va. Attends, je vois plus rien. Ça va. Je fais pas un génocide non plus. C'est la loi de la nature, là. Il faut manger, hein. Regardez-le, le crabe, là. Regardez-le sauter, là. On sait qu'il peut grimper, parce que moi, j'ai ma base, ici. Moi, j'arrive pas à... Hein. Voilà. On sait qu'il peut sauter. Il reste caché dans l'eau de ouf, hein. Et le Spino, j'en ai vu un là-bas. Niveau 20, ah, oh, tristesse, un niveau 20, c'est pas ouf, hein. Voilà. Ça, la prochaine fois, ce sera ma mission, c'est un Spino. Bon, bah écoutez, on va commencer une petite cabane, hein. On va faire du 3 sur du 2, je crois, hein. On va faire un bloc de 6, hein.
Oh, la musique, calme-toi, là. Calme-toi. Voilà, merci. Et j'en ai marre du The Witcher, on va partir sur du Elder Scroll. Voilà, les amis. Ah, voilà, voilà. Je peux jouer avec toi une prochaine fois. Alors, LRS Gringo, je suis désolé, mais ce ne sera pas possible. Je comprends bien que plein de gens m'ont déjà demandé pour venir jouer avec moi sur Ark, et c'est juste pas possible, quoi. C'est juste pas possible, je suis désolé. Hop, désolé, hein, hop. Ok. Ok, ok, on va rechercher encore du bois. Puis de toute façon, je fais une partie, je suis vraiment que avec mon pote, on est tous les deux, et on est en coopération. Donc là, aujourd'hui, mon pote n'était pas avec moi, d'ailleurs. Mais la prochaine fois que je jouerai à Ark, je vais m'arranger pour qu'ils viennent s'installer avec moi dans cette zone et qu'on fasse un peu d'explo à deux. Parce que cette zone est magnifique. Et voilà, on verra s'ils seraient intéressés de capturer un... Oh my god! Oh putain, il m'a repéré. Il m'a repéré. On verra s'il est intéressé de capturer un Spino. Hein. J'ai vraiment peur de ces saloperies. Hein. Les modos sont pas là, le chat il dance. Mais tu comprends, hein, Gringo? J'imagine que tu me comprends. Hein. Quand t'es streamer, y a vraiment beaucoup de gens qui te demandent pour jouer avec toi et bah. Tu vois? Alors, j'ai des fibres. On va la faire en bois la maison. Hein. On va la faire en bois, hein. Ça coûtera moins cher, hein, je pense. Wood. Tic. Je peux en faire deux, seulement deux. Ça coûte combien? 80 bois. Hop, hop. 3, 4, ok, on a déjà une plateforme de 4. On va déjà les positionner pour voir où est-ce qu'on la tape. Et voilà. Allez hop. Le quatrième, on attend, on attend. On est chill hein, ce soir, on est en détente, vous l'avez remarqué. Hein. Vous l'avez remarqué. Faut pas grand-chose. C'est quoi cette lumière un peu verte, là? Vous avez vu? Vous trouvez pas qu'il y a un truc qui éclaire un peu cette zone? Bien, ça donne bien. Ça donne bien. Ah, et aussi, ce qu'on va faire tout de suite, les amis. Ah, ce qu'on va faire tout de suite, ce sont les torches. Les torches, parce que là, il fait vraiment noir et c'est pas agréable. Hop, torche. Il manque quoi? Des branchages. Ah merde, quoi? Ah, j'ai pas de branchage? Sérieux? Le jeu, tu déconnes. On va devoir aller là-bas dans le noir? Prendre des risques? Pour augmenter le gamma, mais là on est RP un petit peu. Hein. Vous voulez que je fasse ça deux secondes? Vous voulez que je fasse ça? Comme ça vous voyez un petit peu ce que je ressens là, parce que c'est le flip. Hein. Ouais, j'ai pris du bois, mais il faut la pioche. Ah, on voit vraiment rien. Hein. Je pourrais peut-être vraiment augmenter le gamma, mais... Ah, je me tâte. Tu vois, yeah. Tant que je vois des triceratops ici en vie, j'ai confiance parce que eux ils sont solides. Allez, j'augmente le gamma un minimum quand même. 2 points combien? 2.6, je suis déjà en 2.6, non? Oh là là. 2.8. Tant qu'il y a des triceratops en vie ici, c'est que ça va. Mais avant il y en avait plusieurs et j'en vois plus qu'un malheureusement. Ah, il a un bonus. Il y a peut-être un autre qui est planqué quelque part. Ah là-bas. J'entends le carquino en dessous. Je crois que le crabe géant est juste en dessous de moi. Allez, on va aller faire les torches. Alors, je peux en faire combien? Je peux en faire 11? Non. On va en faire 5 quand même. On va en mettre tout du long du bois, d'accord? Et voilà quoi. Voilà, voilà, tu dis yo au triceratops là, Stevie? J'ai mis le casque dans mon lit et je suis à deux doigts de m'endormir avec cette musique d'ambiance. Ah, cette super ambiance. Elle est géniale cette musique. Ça va trop bien, hein. Les Elder Scrolls, ça va trop bien avec le jeu. Attention! Transition. Ça n'a pas causé de problème. Alors, les torches, vous allez voir, on va tout de suite mieux y voir. Regardez là-bas, il y a une ambiance toute verte. Qu'est-ce qui éclaire là-bas? Il y a peut-être des algues dans l'eau qui éclairent. C'est trop beau là-bas que ça éclaire la nuit. Pour voir, on va. Il faut pas que je tombe dans l'eau. Hein. Si je tombe dans l'eau, je suis mort. Hein. Ici.
ici. Ici. Mon personnage a faim ou il a soif, là. On va voir où je fais la cabane aussi, hein. Je sais pas trop où je vais la faire pour l'instant. Et la dernière. Oh là, il est juste en dessous, vous l'avez vu? Regardez là. Horrible. Attends, c'est quel côté qu'il est? Là. Il saute haut, mais attendez, il va pouvoir grimper là. Heureusement, il est con, hein. Heureusement, il est con, hein. C'est l'allée qui amène à notre tas, c'est beau, ah, c'est magnifique, hein. Magnifique, hein. Alors, j'ai... Voilà, j'ai déjà des trucs. Le truc, c'est où est-ce que je pose ma baraque? Faut pas bloquer le chemin. Et en même temps, faut que ce soit bien placé. Je pense qu'on pourrait placer ça ici. Là où je suis, là, il y a un petit creux, comme ça, c'est un peu plus plat. Et on la taperait genre là, comme ça. Attends, j'aimerais qu'elle dépasse pas trop, comme ça c'est beau aussi. Tu vois, là ça devient pas beau, il faut reculer un peu, voilà. Et on ferait du 1. Un comme ça. 2. 3. Et ce serait sur du 6. Donc le passage, ce serait tout petit ici. Je crois que là, je pourrais peut-être mettre une fondation au niveau du sol, quand même. Voilà, c'est stressant, parce que cette zone est... C'est pas beaucoup d'espace, hein. Il y a pas beaucoup d'espace. J'aurais pu reculer un petit peu, mais ça aurait pas été beau. Attendez, on va faire ça. Je crois qu'on va faire ça. Ramasser. On a... En fait, quand je pose un truc, j'ai 20 secondes pour les ramasser et les replacer. 20 secondes, pas plus. Oula. Attends. Comme ça, s'il te plaît. Voilà. Il est toujours en dessous, le crabe? Oui, il saute toujours. Il fait sa vie, vous savez. Décale un peu à gauche. Voilà. Essaye de gagner un peu d'espace. Oh, plus là... Oh, ça semble bien prometteur, là. Non. Oh, non, on ne te met pas en dessous. Là. Là, je pense qu'on est mieux. Là, j'ai plus de place ici pour vivre. Ok. Voilà, mais en fait, il y en a deux, je pense. Il y a l'autre saloperie qui est là. Ok. Il essaie d'attraper le Triceratops. Bon. En vrai, c'est une position bien défendable, hein, si jamais on se fait attaquer, donc c'est chill. Et là-bas, c'est trop beau. Allez, je cherche encore du bois. Il faut que je refasse des fondations. Ah, j'ai encore sur moi. On va déposer ça dans le... Voilà où il verne. Gilbert, bonne nuit à toi. Merci pour ta présence sur le stream. À bientôt, hein. Merci à toi, c'était cool. Hop. Il restait longtemps en plus, hein. C'est vrai qu'il se fait tard, il est quelle heure, là? Bon, il va être minuit. Allez, on va aller chercher du bois, les amis. On va aller chercher du bois... Il faudra que je m'enfonce encore un petit peu dans la forêt. Dans la zone. Le Triceratops, je vais aller un peu plus loin. Et qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Parce que là, c'est des arbres un peu étranges. Alors, il y a ces... Attention. J'ai peur, quand même. Qu'est-ce que c'est que ça, là-bas? Ok, c'est rien. C'est un insecte, c'est rien. Ça, c'est récoltable ou pas? Je pense pas, hein. Je pense pas. Alors, on prend la hache. Gérald, 4e mois d'abonnement! Faut pas que je crève. Attends. Merci mon vieux, bienvenue à toi, installe-toi. J'espère que tu vas bien. Si on a vu des raptors tout à l'heure. Attends, je suis un peu sous pression là. Comment ça va mon bro? Merci pour ton 4e mois, c'est énorme. En plus toi, t'es passé affilié, félicitations, c'est vrai ça. C'est vrai, t'es passé affilié mon vieux. Merci hein. 4 mois c'est énorme. Là on est safe, on est en hauteur. Eh bien, écoute, Gérald, nous sommes dans un endroit paradisiaque, mais dangereux. Ok. Et on se fait une petite base là-bas. Et on a pris un tronc d'arbre et on s'installe au milieu. On est avec Nota. Pas la modératrice, hein, mais Maouiverne. Il y a les crabes géants qui essaient de... Oh, je peux plus beaucoup courir.
Il y a des crabes géants qui essaient de me manger, mais tout va bien. Voilà, voilà. Objectif, se tamer un spino, mais qu'une fois que la base sera faite. Je trouvais ça chouette de faire une petite cabane ici. On pourrait explorer un peu la zone s'il n'y a pas des trucs quand même cachés. Et peut-être apprivoiser un carquino, là, les crabes géants, pourquoi pas. Hein. Et sinon, moi, ça va bien, Gérald. Ça va très très bien. Ah, il y a un oiseau aussi là-bas, on fera gaffe. Là, je peux plus courir. J'ai l'impression que j'entends la créature en dessous. Je crois que j'entends le crabe. Ah bah, il est là-bas, là. Putain. Mais regardez-moi, c'est saloperie, quoi. Avouez que c'est... C'est flippant, hein. Est-ce qu'il y en a encore un en dessous ou pas? Le truc, c'est qu'il se cache bien dans l'eau, hein. Donc si je tombe dans l'eau... J'ai pas entendu le chocobo, comment ça se fait? D'accord que sous mon programme il fonctionne. Hein. Ah mais les gars, me dites pas que depuis tout à l'heure, vous avez pas tous les. Vous avez pas les chocobos, les trucs que vous pouvez payer là. Mon programme avait planté en fait. Ok, là ça devrait être bon. Bon, Gérald, je suis désolé. Hein. Attendez. Là, on est bon. Il est où, Chocobo? Je voudrais le refaire, mais je le vois plus. Il est où? Il est où? Il a combien? Il est à... Il est... Ah, il est là. Et pourtant, tantôt, ouais, tantôt, ça marchait, mais il y avait des bugs. Le dos droit, t'inquiète, Keoki. Ah, on l'a entendu et vu. Sérieux? Ah, d'accord. Eh ben, quand j'ai cliqué sur le programme... Il a planté, moi je les entendais pas. Je sais pas comment ça se fait. Mais bon, apparemment c'est réglé, donc tout va bien. Tout va bien. Bon là, on va pouvoir refaire deux petites plateformes, les amis. J'ai hâte d'explorer cette zone quand même. Hein. J'ai hâte d'explorer cette zone. Alors, wood. On va en faire deux ou pas? Une, deux, magnifique. Et je crois que je vais faire le reste en... Ah, je sais pas. En chaume, pour que, ce sera, pour que ce soit pas cher. Après, si je me fais attaquer, ce sera détruit en deux secondes. Bon, on a notre plateforme, là. On est bien, là. On est bien, là, non? Non, pas de ghost, Gérald. Pour la reprise, j'étais solo, tout seul. Et voilà, mais j'ai dit que la prochaine fois, je ferai ce qu'il faut pour qu'ils viennent. Comme ça, on sera deux, quoi. On était en pause, tu vois, donc c'est... En fait, c'est comme si... Genre déclencher la machine un petit peu, genre lancer la machine de Ark, tu vois. C'est moi qui me suis occupé du serveur, c'est moi qui me reconnecte dessus en premier, qui fait un petit stream dessus. Et il suivra, il viendra. Hein. Je pense qu'il a hâte aussi, parce qu'il s'était mis en mode Monster Hunter, un peu comme toi. Et voilà. Bref, là on va faire un petit lit maintenant, ça me semble important. Et je crois que j'ai de quoi en faire. Parce que comme ça, je pourrais réapparaître ici. Et j'ai pas de quoi en faire, il me manque... Des peaux et fibres, mais je pense que toi tu dois en avoir. Peau et pas de fibres. On va chercher des fibres. Faut pas que je tombe dans l'eau. Oh, oh putain. Si je tombe dans l'eau, les gars, je suis mort. Hein, parce que vraiment, avec les crabes géants là, je vois pas ce que je peux faire. Hein. On est vraiment chill dans détente. Ça me fait du bien. Content de retourner sur ce jeu. Bah, il faudrait... J'avais peur de faire un stream... Allez. Un stream où j'allais trop construire dans ma base, hein, la grande base. On l'a fait un petit peu. Au final, pour construire les coffres forts, etc., j'ai dû quand même pas mal partir avec Nota pour explorer un petit peu, aller chercher... Hein, on a été tué du pingouin, là, tout à l'heure. On a dû aller chercher de l'obsidienne, on a dû chercher du ciment. Donc, au final, c'était cool, quoi. Ah ouais, le saut, là, je l'ai senti passer. J'étais un peu en PLS mental. Je me suis dit, ça y est, je suis fini, je suis mort. Bon, j'ai quand même hâte d'être demain pour Cyberpunk, en vrai. Cyberpunk, là, je crois que je suis accro, là. Tous les derniers streams que j'ai fait dessus étaient très intenses et très cool. Oh, Gérald, mais t'étais là, toi, ou pas? Je pense pas que t'étais là sur Cyberpunk la fois passée. On a eu une bonne scène de sexe, hein. Hein? Très intense. Avec un mec dans le jeu.
Et t'as loupé ça, c'est triste. Ah, ma petite lit. Ah ouais, cyberpunk. J'ai beaucoup de choses avec ta modo. Écoute. La fameuse écriveur, ouais, c'était... c'était... En vrai, moi, je trouvais ça cool. J'ai trouvé ça hyper bien fait. Hyper bien fait. Alors, attendez un petit peu. On va mettre une porte là, je pense. Tu vois, de ce côté-là. Plop. Et une autre porte, peut-être, de ce côté-là. Attends. Porte de quel côté? J'ai pas envie de mettre une porte en face, là-dessus. Je suis en train de penser à quelque chose, là. J'ai des idées qui me viennent en tête. Ouais. On va faire une porte là, ouais. Ça semble bien. Ici, une porte là, ça me semble bien. Du coup, je peux mettre le lit dans ce coin. Mais dans le coin, il y aura les armoires, le taf, machin. Donc, le lit. Le lit, c'est où que je le mettrai. Porte ici. Je vais mettre là, le lit. Pour l'instant. On va mettre là pour l'instant. Je visualise le futur, les amis. Hein? Pas cette scène! T'as pas aimé, Natalia, toi? Je suis désolé, Natalia, hein, quand on était à cette scène-là. Le chat, c'était des... Oh là là! Le chat était on fire, hein. Ah, voilà, je le répète, on a vu un peu les puceaux dans le chat qui s'emballaient pour pas grand-chose. Mais, voilà. Hein, t'as dû prendre sur toi, à mon avis, pour pas en ban quelques-uns, ce jour-là. On serait souvenu, ouais, c'est ce que je me dis, hein. Yeah. Je repars sur toi, par contre, je vais faire des cauchemars maintenant. Mais en fait, Natalia, quand je fais du arc, elle se met parfois dans l'ombre. Parce que arc, c'est pas trop son style de jeu, en fait. Et du coup, qui va gagner? Du coup, voilà, je pense que c'est le Carquino, hein. Ça dit quoi, alors niveau 25, le Stego, le Carquino est niveau 50. Il faudrait qu'il retourne dans l'eau, hein, parce que là, s'il monte ici, ça va pas être cool, hein. Ça va pas être cool. Bon! Bon. Je sais pas quoi faire, moi, parce que est-ce que je commence vraiment à farmer de ouf, etc. J'ai beaucoup de bois, là, mais j'ai pas beaucoup de... Je peux en faire combien? Je peux en faire 3? En fait, je vous explique. Au final, on va faire une méga plateforme. On va faire une petite maison, mais on va faire une grosse plateforme. En gros, la plateforme, je vais la faire continuer ici, jusqu'en face. Et on pourra marcher dessus, on mettra des pentes. Ouais, ouais, enfin, je me comprends, hein. J'ai du mal à expliquer. Je sens que, doucement mais sûrement, la fatigue survient. Oh merde, et là, c'est dans le vide ou quoi, si je mets ça là? Ah ouais, c'est pas beau. Hein. Mais si j'en mets un de plus, il sera dans le sol, donc c'est pas grave. Donc on accepte. Et l'autre, on accepte aussi. Pourquoi il le bute là-bas ou quoi? Oh mais il est en sang! Il fouille, le Carquino fouille! Il a plus de vie! Oh, on va le tuer. Attends, range-moi ça. Voilà, il est mort. Allez hop, chais. Chais. Saloperie. Tu entras plus mes nuits. Et n'oublions pas le décor dans lequel on est là actuellement, hein. Hein, les amis. Ah, chute d'FPS au moment où je voulais changer. N'oublions pas où nous sommes ici dans un décor plutôt magnifique. Je vais pas réexplorer maintenant, on va pas... Il y a un caillou volant là tout seul. Ma petite base est là sur ce petit tronc d'arbre. Cette petite racine. Un bronto là, mais qu'est-ce que tu fais? T'es venu boire de l'eau? Bon, j'espère que j'ai fait ma base du bon côté, hein. En plus, on voit plus de spinos. J'ai l'impression qu'ils sont tous fait buter, les spinos. Pas aux Ortec. Attendez, là-bas, il y a de la lumière. Là-bas, c'est la fin des îles, ici. Wow. Ah, c'est beau, hein. C'est beau, hein. C'est beau de ouf, hein, les gars. Pauvre bête. Mais...
Elle essaie de me manger depuis tout à l'heure. Kirio. Ah non, je me frotte les yeux, vous voyez pas ça, mais je me frotte les yeux. C'est pas bien, ça pique, et après on a tout le temps envie de les frotter encore plus. This is not good. Ah, c'est magnifique, hein. Ça, c'est le dessous des îles, et alors, en dessous des îles, regardez, il y a un... Oh ! Oh, il y a un broteau qui tombe ! Il est tout lagué tellement il tombe de haut ! Attends, j'ai l'impression qu'il est tombé encore plus... Ah non, il est là, c'est bon, il nage, il est dans l'eau, ok. Et alors, ouais. Oula, mon endurance, faut que je check. Oula, là, on va se poser. Ce qui est génial, c'est que dans les îles de cristal... Allez, pose-toi. Est-ce qu'on va en profiter? Tu sais quoi? On va en profiter, on va prendre du bois ici. Il y a aussi des passages comme ça avec des cavernes là-bas. On est déjà venu ici, hein. On est déjà venu. Ah, je peux vous dire que les FPS, ils sont à fond, hein, vu qu'il n'y a pas grand-chose ici. On est en bordure de map, donc... Moi... La mort des dinosaures en live. Ah, aïe, aïe. Oh oui, mais toi, tu connais Ark, hein, parce qu'il y a tellement de créatures dans Ark, il y a des dinosaures... Il y a des monstres aussi, hein. Sur certains DLC, qui sont même plus des dinosaures, quoi. Qui sont immenses et qui, eux, peuvent vraiment faire un massacre. Et le jour où je les aurai, je ferai un massacre. Ah, je vois rien, s'il vous plaît. Plus des brontos. Allez, Nota, vas-y, prends le bois. Prends le bois. Je vais prendre un peu de branchage, d'accord? Tu bouges plus? Je m'équipe de ma pioche. Mais tu sais quoi? Attends, non, on va... Attends, on va avancer un peu dans la zone. Il y a du métal ici aussi. Bon, il y a un truc qui est dommage, c'est que les plusieurs fois où je suis venu ici, il n'y avait pas de... Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de dino, il n'y a rien. C'est magnifique, hein, mais ça manque de vie. Ça spawn pas bien, en fait. Et c'est là que tu vois que c'est une map qui n'est pas officielle. Une map officielle, ici, il y aurait des dinos, il n'y aurait pas de problème, tu vois. Ouais, du métal, tiens. Hop, attendez. La bronchute. De toute façon, pour l'action, hein. Pour une collection, en plus de l'XP, je voulais tous les avoir. Ah non, mais ça, c'est génial. Mais ça, sur Ark, il y a moyen de jouer à Pokémon, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Et c'est mon objectif, hein. On dirait pas, parce que je tame pas beaucoup de dinosaures pour l'instant, mais... C'est parce que c'est pas notre map finale, en fait. Je prends un peu de métal, quand même. Oh, j'en ai 36. Je fasse gaffe à son poids. Oula, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Merde. Pouette, pouette. Je sais plus ce que j'allais dire. C'est bon, ça tape bleu quand je tape... Oh, je peux plus bouger. Nota! Je suis trop lourd! Je sais vraiment plus ce que je voulais vous raconter, hein, bordel de merde. Oui, quand on changera de map, on ira sur Ragnarok, et c'est là-bas, vraiment... Oh là là! Le poids est complet. Ah, bah tant pis le métal, j'ai pas vraiment besoin de métal pour l'instant, donc c'est vraiment pas la priorité. Quand on changera de map, c'est là-bas que je collectionnerai tous les dinos qu'il me faut. Ah, c'est bon, on est bon. Et là, ça va être incroyable, je me ferai un Jurassic Park, quoi. Non, mais sérieusement. Bon, on va remonter la surface, on va rejoindre la maison quand même, mais c'est magnifique, hein. Je suis en mode tout lent parce que ma wyvern est très lourde, là. C'est comme ça, on donne du muscle à Nota, hein, bien sûr. Allez, on va remonter par là. Dès que je peux. Ah, c'est vrai, Aïe. Ah, c'est trop bien. Hop là, allez, on remonte. Bah, t'as vraiment un poids lourd du stream Ark. Ah, bah, attention, transition, ça a bugué ou pas? Ah, j'ai ressenti les lags. Vous avez pas eu de perte d'image, mais moi, dans le jeu, oui. Alors. Oh, il y a un bon toka spawn ici. Oh, il y a même des Kentrosaurus. Oh, il y a même des stégons en métal. Mais il n'y a plus de Spino, hein. Il y a un truc là-bas. Attends, il y a un truc là-bas à droite. Ah non, c'est les cristaux, d'accord.
Là, on voit bien dans l'eau, là. S'il y avait des créatures dans l'eau, on les verrait. Des fois, on voit pas bien. Bon, allez, on va se poser. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a sur moi? Alors, c'est parti pour le... Ah, j'ai besoin de fibres. Non, j'en ai. C'est parti, c'est parti. Oh, il... Oh, oh, le carquino m'a donné tellement de polymères organiques. Mais tellement... Ok, d'accord. Donc, si on veut du polymère organique, c'est ici qu'il faut venir. Alors, ce qu'on en a farmé tout à l'heure, hein, pour ceux qui n'étaient pas là. Wood. Fondation 3. Et hop, let's go. Tu l'es fait. Tu l'es fait. Qu'est-ce qui te manque, là, encore? Je suis occupé de niquer tout mon bois d'un seul coup. Quelle tristesse. J'aurais même pu faire ma base là, mais je trouvais ça chouette de la faire sur le tronc d'arbre. Sur la racine. Ce n'est pas un tronc, c'est une racine. Ce n'est pas la même chose. Le tronc, il est... Je ne sais pas. Alors. Voilà, voilà. Et alors, pour le RP... Ouais, non, ça va, on s'en fiche. Non, ce serait quand même cool pour le RP. Voilà. Voilà, là j'ai corrigé pour que la fondation soit bien fondue dans le bois. Tu peux faire ta maison tout le long de la racine? Non, 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 non. En fait, elle va, ma maison va vraiment être sur 6 carrés. Donc, bah, la moitié de ça, en fait. La moitié de ça. C'est dur de voir les carrés, mais là où je suis, il y a la séparation. Et c'est que devant moi qu'il y aura la maison. Derrière ce sera une sorte de terrasse, on va dire, où il y aura des barrières. Et je vais peut-être en rajouter un petit peu. Je ferai des rampes pour qu'on vienne grimper dessus facilement. Pour aplatir, si tu veux, parce que là tu viens et puis... Donc c'est pas cool. Mais ça coûte cher les fondations, le reste ça va aller vite. Les fondations c'est vraiment... c'est le plus cher. C'est le plus cher, ça coûte 80 bois. Donc on va rechercher du bois, je pense. C'est cool parce que ça spawn bien ici, il y a de la vie. C'est pour ça que je me suis installé là. Parce qu'il y a de la vie, quoi, tu vois. Il y a des zones dans Ark, il n'y a rien à faire, où il y a moins de spawn, moins de dinos. Là-bas, tantôt, on a vu deux Sarcosuchus, on a vu un Spino, on a vu deux Carquino. Donc voilà, quoi. Voilà. Alors, du coup... Oula, les musiques, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, de scroll, tout va bien. Tout va bien, on est bien. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, on va aller chercher du bois et je crois qu'on va reprendre Nota parce que bah, c'est pratique avec elle, quoi. Hein, c'est pratique. Une Yann 4. C'est pratique de fou. Regardez cet endroit paradisiaque. Allez, on va venir ici. On va prendre le bois ici. Hop là. Ici, il y a une petite source d'eau. En vrai, m'installer ici aurait été bien, mais... Il fallait que je m'installe là-bas pour avoir une vue sur le spawn des spinosaures. Mais là, ça aurait été le feu, hein, ici. Ça aurait été le feu, hein. Bonjour. Ah, quel niveau, tiens. 95. Ouais. Ouais. Ces tortues-là, c'est vraiment des dinosaures de début de game. Sur The Island, tout le monde en a apprivoisé au début. Et on s'en servait comme coffre vivant, hein, littéralement. À la bonne époque. C'est vrai que Nota, là, Nota a fini par nous abandonner, là, dis donc. Elle fait dodo la petite. Mais on a la vraie, on a l'autre ici, la vraie, c'est pas la vraie, hein. On a son équivalent ici, in-game, tout va bien. Elle est encore parmi nous. Attends, on va déposer le bois. On est bien là avec cette petite musique et tout. Vous voulez que je mette plus fort la musique, quelques minutes? Ça pourrait être cool. J'ai un poil mais plus fort. Hop. Oh, je peux plus transférer. Ah voilà, comme ça. Ah, c'est peut-être ce qu'elle vit dans ses rêves, ouais.
C'est cool le full screen, hein. Ça change un petit peu, je sais pas, j'aime bien. Pas mettre à chaque fois, hein. Je sais que vous êtes là pour voir ma tête aussi, ma tête de con, bien sûr, mais... C'est cool. Niveau poids, ça dit quoi, hein. Je pense qu'on va rentrer au bercail, là. Ou alors... Ou alors, je pourrais crafter ici, carrément, direct des trucs. Hop. Je pourrais crafter directement des trucs ici, comme ça, ça pèse moins lourd. Wood. Ça pèse moins lourd et je peux reprendre du bois et continuer un peu d'explo. Ouais. Bonne idée, hein. Minuit 10. Il est minuit 10. Bon, je pense que quelle heure on va le faire. Je vais essayer d'avancer un tout petit peu, là, dans ce qu'on fait ici. Mais on va pas la faire hyper tard non plus. Donc, je ne sais pas, moi. Je serais pas vous dire dans combien de temps on va stopper le stream. Parce qu'on est chill, on est détente. Aïe aïe. Sur Discord, je crois que c'est toi, sous ton pseudo à toi, que j'ai vu. Aïe aïe n'est pas disponible jusqu'au 5 mai. Ou un truc du style. C'est chez toi que j'ai vu ça? Là, on est le 4, là, non? On vient d'être le 4, alors qu'est-ce que tu fais ici, en fait? C'est pas disponible de quoi? Hop, allez. On met ça dans son inventaire. Du coup, j'ai libéré du poids. Je peux continuer à couper du bois un petit peu. Donc, viens, on va avancer un peu. En plus, il fait du bruit. Il n'y a aucun danger ici, hein. Il n'y a aucune créature agressive. Hein. Je dis ça et là maintenant je vois plein de petites saloperies, mais c'est pas dangereux pour ça là. Ça là. Dilophosaure. Faut pas le dire, mon examen de fin d'année mercredi, je travaille dur. Je comprends, ouais. Je comprends, je comprends. Je ne dirai rien. Je n'ai rien dit d'ailleurs. De quoi on parle déjà? Je sais pas de quoi vous parlez, très cher. Je ne sais pas. T'as vu? J'ai l'impression d'entendre ce putain d'Antoine Daniel, quoi. Hein, très cher Donatien de Montazac. Dalmatien, comme certains l'appellent. J'ai vraiment eu l'impression d'entendre. Faut que je me calme, hein. Je fais vraiment pas exprès. Bon, en même temps, c'est tellement génial. Il est tellement génial. Et passe. Il y a des belles fleurs partout ici, dis donc. Je peux les ramasser, ces fleurs. C'est beau. Hein. C'est super beau. En vrai, c'est trop... Oh, mais vous voyez là, l'arbre là devant? Juste ça là, je trouve ça super beau. J'adore. C'est une musique un peu stressante là, hein, non? Enfin, elle est pas détente là. Musique un peu de combat là. Regardez, là c'est le plus détente que je peux faire, c'est ça quoi. Là on part sur de la full détente. Je suis un petit peu du milieu quand même. Des musiques de Hollow Knight, un jeu vidéo sympathique. Moi non plus, je ne vois guère de quoi vous parler, voyons. C'est normal, très cher. Oh, mais ça m'énerve parce que j'ai pas envie de... En fait, merde. J'ai pas envie de vivre l'aventure en stream parce que vraiment... Donc là, les amis, pour ceux qui savent pas de quoi on parle de GTA RP. Y a un gros serveur avec plein de streamers qui jouent dessus. Et un personnage que joue Antoine Daniel. Attends, elle est où ma... Ah oui, Vernet, là-bas. Il y a un personnage que joue Antoine Daniel qui s'appelle Donatien de Montazac. Il parle d'une manière très soutenue, puis-je dire. Et voilà, on regarde tellement, on l'adore tellement qu'on attrape des petites manies de lui. Et donc je disais que ouais, je regarde jamais en stream parce que j'ai pas envie de louper des bouts de l'histoire. Même les moments chiants parce qu'il y en a. Oh, j'ai pris trop de bois. Oh non, pas ça, je ne veux pas jeter du bois. On va crafter. Et bref, je me perds dans tout ce que je raconte, mais vous avez compris. Enfin, je crois. Peut-être pas. Faut que je reprenne des fibres aussi. Un homme modeste. Un homme honnête. Un honnête homme, comme il dirait. C'est ton vigneron de renom. C'est un. Ouais.
Non mais en même temps, le mec, je sais pas comment il fait, mais tout se passe toujours bien pour lui, quoi. Il sort de tôle parce qu'il a fait T'es pas une licorne, toi, hein? Non. Il a fait une prise d'otage, hein, littéralement, et un flic veut le ramener chez lui, s'excuse, etc., parce qu'il met du temps, blablabla. Le flic, sur la route, il fait un accident, il passe à travers la porte, la fenêtre, le pare-brise. Et attends, que je me perds pas dans ce que je raconte. Donatien, bon, il est gentil, il appelle l'ambulance, mais c'est normal, tu vois. Et le flic, pour lui remercier, il lui achète pour 3000 de bouteilles de vin. Le mec, voilà. Alors que, enfin, il sort de tôle pour avoir kidnappé des gens. Enfin, je sais pas. Il a quand même réussi à vendre ses bouteilles de vin hyper chères. En plus, il a dit, ouais, vous êtes un ami, je vous le fais à 300. 300 la bouteille. Au tout début, il les vendait parfois à 100, j'ai l'impression. C'est, voilà. Il se fait des thunes, quoi. Il est nouveau millionnaire. Là où j'en suis, hein. Là où j'en suis, il est devenu millionnaire. Parce qu'il avait perdu ses thunes. À cause de l'incendie du domaine, bien sûr, vous le savez. Enfin, bref. Bon, niveau plateforme, par contre, j'en ai encore ou pas? Niveau plateforme, en fait, on va s'arrêter là, hein. Et on va mettre des rampes, maintenant. On va mettre des rampes. Bonjour, toi. Est-ce que t'as des... J'en ai 5. J'ai fait 5 plateformes. Bon, écoute, voilà, dans ce cas-là, c'est bien, on peut bien se mettre. Hop. Ouais, pas sûr. On va faire quelques rampes maintenant ou des escaliers en pierre. Oh, des escaliers en pierre, ce serait magnifique, ce serait magistral. 1, 2, 3 escaliers en pierre, c'est parti. 4 même, je dirais. T'as de la pierre sur... Oh putain, me pousse pas avec ta tête, hein. Nota, s'il te plaît. As-tu de la pierre sur toi? Oui, tu en as. Est-ce qu'on peut faire des escaliers, tu penses? Je peux en faire un? Ouais, ça coûte cher les pierres, hein. Ça coûte cher les pierres, on peut en faire qu'un. On va chercher des pierres, les amis, écoutez. On va déjà en placer un. Hein. On dépose tout ceci, tout cela. Hop. Vous voyez, il va y avoir 3 escaliers ici. Hein. Mais Guillaume, mon 2e mois d'abonnement! Merci, mon vieux. Pourquoi j'entends pas l'alerte? Elle est peut-être pas encore là. Merci beaucoup, mec. Bah écoute, ça va bien. Installe-toi. Comment toi tu vas, dis-moi? Comment toi tu vas? Merci beaucoup pour ton resub, ça me fait plaisir, sincèrement. Basile. Basile? Ce qui est Basile? L'incendie, il a même pas vu. Ouais, et c'est dommage, c'était bugué, hein. Donatien, quand il est retourné dans sa maison, il n'y avait plus les débris. Il n'y a que Fabien qui les a vus. Et heureusement, moi j'ai vu le stream où ça s'est passé. Donc voilà, merde. Bienvenue Guillaume, j'espère que tout roule pour toi. Ah, on est dans Ark, on est hyper chill. On construit une petite station, une petite base, afin d'explorer plus tard avec mon pote ici, quoi. Voilà. On va aller chercher des pierres. Il y en a là-bas. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Hein. Basile Lombrique. Ah, j'avais pas vu le message au-dessus. J'avais pas vu. J'ai découvert Basile Lombrique récemment aussi, assez débat. C'est lequel, lui? Merde, c'est lequel? Ah, c'est celui avec le masque de rat... Ah, c'est ça. Putain, tu vois, je lis les messages dans le désordre, mon petit Gérald, je suis désolé. Désolé aussi de te dire mon petit, je vois pas pourquoi je me permets de t'appeler mon petit, Gérald. qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Je le connais pas beaucoup, ce personnage. Enfin, de ce que j'ai vu, il est taré, ça ouais. Mais je l'ai pas beaucoup vu, en vrai. Ah, on va pouvoir apprivoiser un Triceratops, hein. Quel niveau tu es, Monsieur, niveau 15, pas dingue, hein, malheureusement. Il y en a plein pas ici. Hein. Ça va, Retournal, sur le stream de Beat'em Up, Guillaume? Retournal qui m'a l'air bien sympathique. Est-ce que j'y vais au ralenti? Est-ce que je vais d'abord au ralenti pour vos beaux yeux? Là, il faudrait une musique un peu de BG, là, tu vois. On court au ralenti quand on a trop d'objets sur nous. Excuse-moi.
Acceptes-tu mes excuses, mon très cher Gérald? Et non pas mon petit Gérald, mais mon beau et fort ami, collègue, Gérald. Mon raton laveur. Je connaissais pas du tout le jeu. Bah écoute, moi, j'ai vu le trailer comme tout le monde, enfin, pas comme tout le monde, mais j'ai vu le trailer pour PlayStation 5, ouais. De... Moi, j'ai plus le nom. Returnal. Et ça me tentait pas mal, mais je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je savais pas du tout que ce serait un jeu Die and Retry, du style de Isaac, etc. Mais je me doutais que ce serait un truc difficile. Et ça me tente, quoi. Ça me tente quand même pas mal. Ça me tente quand même pas mal. Hop, on arrive, attention, on arrive. On doit aller jusque Nocta récupérer le bois, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On n'a pas vu de spin-off depuis tout à l'heure. Il n'y a plus de danger, hein. J'ai un peu le seum, hein. Il manque du danger. Ça doit respawn ici, hein. Ça doit respawn. Un otard. De toute façon, je t'ai, tu me protèges. Ne pousse pas avec ta tête, s'il te plaît. Alors. Du bois. Branchage. Et fibre. Et là, on reprend escalier. Je peux en faire 5, mais il m'en faut que 2. Sauf que de ce côté-là, il m'en faut aussi. Mais de ce côté-là, est-ce que je fais plus... pas plus de plateforme? Attends. Attends, Notak, je regarde un petit peu. 1, 2, 3. Regardez, il y a un oiseau qui est toujours bloqué là-bas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que je refais une rangée de plateforme en bois? Je sais pas. Je pense qu'on se posera la question plus tard. Poser ça un petit peu. Et on va mettre les escaliers ici, comme ça, c'est fait. Tac, tac. Et en fait, il me faudrait encore un escalier là. Là, ici. Écoutez, on terraforme, hein. C'est pas spécialement incroyable, mais vous allez voir, ça va être sympa. Ça va être sympa. C'est pas mon style à jouer, mais regardez, c'est cool. Bah tu vois, ouais, moi par exemple, je ne sais pas si c'est mon style ou pas, en fait. Mais je me dis que ça pourrait m'intéresser d'essayer, tu vois. Si le jeu n'était pas aussi beau, et si l'univers et l'ambiance... et le style et le design du jeu, etc., me plaisait pas, là, ça me donnerait pas envie. Parce que moi non plus, c'est pas spécialement mon genre de jeu. Mais il y a tout ça qui me donne envie, donc je suis chaud de me tenter. C'est pas ouf, là, l'escalier, là. Hein. C'est pas incroyable, ça. Mais bon. Écoute, on est sur une branche. Voilà. On arrive là, on se pose ici. Ok. Ok, ok. Maintenant, la question... pour changer du bois qui est un peu moche un peu partout, est-ce que je ferai pas la première rangée de murs en pierre? Il me faudrait quoi? Quelques fenêtres et... Ah, mais je pourrais mettre des vraies fenêtres en plus. Oh là là. Vous savez quoi? Vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai envie d'aller crafter à la maison. J'en ai marre de récolter des ressources. Donc on va retourner à notre vraie base. Ok. Et on va crafter à la maison. Ça vous va? Et si ça vous tente, on se met en full. Ah oui, c'est vrai qu'il est homophobe. Ouais, c'est vrai ça. Par contre, attendez avant de partir, je me rends compte d'une chose là. J'ai du matos sur moi. Et Nota a beaucoup de trucs sur elle, ouais. Je vais peut-être déposer un peu tout ça d'abord, hein. Ce serait trop bête, hein. Ce serait trop bête. On va déposer ça dans un coffre. D'accord? Donc, deux petites secondes. Deux petites secondes. Voilà. Voilà, voilà. Hop là, doucement. Doucement. On va mettre un petit coffre. Et d'ailleurs, on va se la jouer en mode c'est un coffre. Un petit coffre temporaire, d'accord? Box. Hop là, une petite box qu'on met à l'extérieur. Et on va déposer tout ce bordel ici. On a pas mal de trucs intéressants. Ça, on va prendre avec. On va déposer ici, on s'en fiche. Hop. Quoi, t'avances? Arrête d'avancer! Allez, Nota. Alors. On a plein de chitin. On va laisser un peu de chitin ici. On prend la pierre ici. On va laisser un peu de viande ici.
On peut laisser ça ici. Bon, en fait, j'ai pas. Ah, mais j'ai des ressources sur moi, c'est ça le truc. Hop, 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 hop. On dépose, on dépose, on dépose. Est-ce que je pose narcotique? On pourrait déposer une narcotique. J'adore la musique que j'entends. Et on triera son inventaire. Ouais, ça en jette. Ça en jette. Tu sais quoi, on jette un petit peu tout ça. Les graines, on n'a pas besoin. Les baies, on n'a pas vraiment besoin. Les flèches. Allez, on se casse os. Allez. Hop. Ah mais Natalia, donc tu suis aussi l'aventure alors, en fait, Natalia. Tu suis l'aventure GTA RP? Je sais plus trop. Ouh, les frises. Tu regardes qui, toi, encore, Nat? Mais c'est par là que je dois aller, c'est vers là. Attends, c'est quel côté que je dois aller? Je crois que c'est tout droit par là, je pense. Regardez la map, quand même. Désolé, les petits frises, là. Oui, c'est ça, c'est tout droit par là-bas. Salut donc. Les FPS, là, calmons-nous, là. Quoi, toutes ces zones sont compliquées pour toi? Ah, désolé, je voulais que ce soit beau et fluide avec vous, là, mais... Attends, range-moi ça, là. On va se poser une fois ici avant d'aller plus loin. Ouais, un peu, mais j'ai pas tout vu avec le taf. Ah ouais, non, mais il y a beaucoup trop à regarder, de toute façon. Il y a vraiment beaucoup trop à regarder. Moi, je regarde même plus en live, je suis les VOD, mais ça me mettra... Le serveur va bientôt fermer, tu vois, et je crois que je terminerai dans un mois, quoi, tu vois. J'aime bien les croûtes. La doctoresse, je sais plus son nom, et Johnny. Johnny, je l'ai pas beaucoup suivi. J'étais une fois sur son live, Mister MV, et le trois quarts d'heure, le 45 minutes que j'ai vu, m'a pas spécialement fait kiffer. Mais j'aime bien le croiser avec d'autres personnages. La doctoresse, je sais plus. Ah, moi c'est ouais, c'est Donatien, Fab, mais Fab je regarde, ça dépend. Donatien, en fait il y en a plein que j'ai envie de voir, mais que je me force à pas regarder pour me dire que je vais suivre qu'une aventure, mais c'est peut-être bête de ma part. Je sais pas. Je sais pas, je ne sais pas. Vanessa? Je vois pas du tout, tiens. Je vois pas du tout. Vous avez vu comme les couleurs changent? On va arriver à ma base, attention, ça va freeze. Attention, attention. Oulalalalalalalala. Oula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 l
Après, Donacer de Montazac, tout le monde lui achète du vin, hein. Que ce soit les voleurs ou les flics, quoi. Alors, j'avais dit que je ferais en pierre. Alors, c'est sur du 6, il me faut déjà. Je me concentre 2 petites secondes. Il me faudrait. Ah, du branchage, bon, heureusement j'en ai ici. Il faudrait déjà 2 encadrements de porte. Porte, non. D'or. Parce qu'on prend le S+. 1, 2 de double porte. Et on fait 2 double portes. 1, 2. Ok, là on est bien. C'est bien, c'est une bonne idée que je sois venu ici. C'est une très très bonne idée, sachez-le. On va même faire des vitres. On va même faire des vitres. Alors là, je sais pas combien. Je peux en faire qu'une. Pourquoi je peux en faire qu'une? Oh, j'ai pas de ciment. On va devoir faire du ciment. Bon. Du ciment là? Il manque quoi? Il manque des pierres. Tu veux des. Ah, mais j'en ai sur moi. Tu veux des pierres? Hop. Allez, fais-moi du ciment. Que 13? Oh là, ça coûte tellement cher. Bon, j'ai plein de pierres, heureusement, mais. Plus, c'est bien qu'on soit revenu ici parce qu'on va pouvoir. Reprendre de la nourriture parce que je n'en avais pas. Voilà. Voilà. On reprend des pierres, attendez, hein. On fait un peu de craft et on retourne dans les îles volantes juste après, les amis. Et là, c'est important. Merde. C'est important. 25 seulement. Mais ça coûte tellement cher en pierres. Ça coûte 8 pierres. 8. 8 pierres. En vrai, je fais pareil, je suis qu'une histoire pour avoir des moments où je me dis non, mais il s'est passé quoi en fait? Ouais. Ouais. Clairement, en fait, c'est ça, yeah, hein. Lucie, la cinglée, j'adore. Lucie, oh, Lucie, c'est Avamind. Avamind, je l'ai découverte. Je crois qu'elle devait avoir une centaine de viewers, et là, elle fait des 3000. Avamind, je l'aime bien, genre, je la respecte, tu vois. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'elle impose le respect, Avamind. Je sais pas si tu la connais bien, Natalia. Une streameuse qui travaille, qui est réalisatrice, hein, non. Qui travaille dans l'image, dans la lumière, etc. Donc son stream est hyper propre. Ses visuels sont dingues. La qualité de sa caméra, de son fond, c'est incroyable. Avamind, gros GG à elle. Je la regarde pas beaucoup, hein. Je la regarde pas beaucoup, parce que quand je la vois, je suis juste impressionné. Et c'est tout, quoi, tu vois. Mais je l'aime bien. Alors, Stone, je veux quelques fenêtres comme ça ou pas? On va en faire 3. On va faire juste 3 et puis on va faire des murs. Pas besoin de beaucoup en vrai. Faudra que je fasse des trucs comme ça aussi. Attends un peu. Non, 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 non. Attends. Non, non, trop tard, fuck. Attends un peu. Parce que je fais la couche comme ça en pierre. La première couche. Ensuite, ça. Ça, je le ferai en bois, hein. Attendez. Bois, comme ça. Et le plafond en bois aussi. Ouais. Désolé, hein, je suis en pleine réflexion. Donc là, on va partir sur du wood. En fait. Et là, du coup. J'essaie d'être efficace, en fait. Comme ça, on peut aller caser ça tout de suite, très vite. Ouais. Eh ben, écoutez, 1, 2, 1. 2 pignons. Il faudrait du coup un mur de chaque côté. Ouais, 1, 1, 2. Et au-dessus, il faudrait 2 plafonds. 1, 2. Et alors, il faudrait des. Ah, c'est bien que je vienne tout faire ici. Il faudrait 2 toits inclinés. Je me concentre, hein. C'est ça, les toits inclinés, sloped roof? Ouais, c'est ça. 2. 1, 2, 3, 4, il en faudrait 4. 3, 4, ok. Et ben écoutez, on va pouvoir y aller. Il y a juste à faire quelques vitres. Alors, est-ce que je peux bouger tout ce que j'ai ou pas? Délicat. Je peux déposer tout ça de toute façon là. On va regarder si on prend quelques ressources avec. Genre de quoi faire un feu de camp ou quoi. Bon, Nota. Tiens. Porte tout ça. Ah ouais, regardez, c'est beau là. On n'aura plus qu'à poser tout ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Tadada. C'est le boss du vin et du jus de raisin. Ben oui, et des sangliers aussi, hein. Je connais pas tous les noms. Cuck. Cuck, c'est un flic, hein, Cuck. Ouais, c'est un flic, hein.
Just Be. Je l'adore, Ava, elle assure trop de ouf, hein. Mais c'est cool, parce qu'il y en a plein qui percent grâce à GTARP, c'est chouette, ça a fait exploser un peu les communes. Moi, je trouve ça génial, hein. Je trouve ça génial. J'ai découvert il y a un an environ, mais moi, ça devait être un an... Peut-être un an et demi, c'est dur à dire. Je sais plus trop. Le temps passe tellement vite, en vrai. Graan, merci d'être passé, ça me fait plaisir. Courage pour ta journée de demain et à très bientôt. Hein. Demain, Graan. En fait, bon, ah non, j'ose pas changer de scène. J'ai une grosse scène, donc je vais pas le faire, mais... Mon horaire, c'est demain Cyberpunk, 19h30, comme d'hab. Et après demain, Jedi Fallen Order. Comme ça, tu sais, Graan, ça va? Ciao, ciao, hein. Mine de rien, ça a permis de mettre en avant de nouveaux streamers. Le RPZ, c'est cool. Ben ouais, mais c'est ça, hein. D'ailleurs, aussi un qui explose pas mal, c'est celui qui joue Miguel. Je peux pas l'imiter, il est trop unique. Il est trop unique. Est-ce que j'en fais encore une quatrième dans le doute? Hop, c'est Psychotique. Ça va depuis tout à l'heure? Ça va depuis tout à l'heure. Et là, je peux en prendre aussi 4, 5, 6, je sais plus combien de fenêtres. Non. Bon, je peux en prendre 4. Ok, bah écoutez, on est bon. Est-ce que je prends un peu de ressources? Je crois que je peux prendre des fibres. Je vais en prendre dans... On va prendre des ressources pour être tranquille là-bas. Hein. Ils sont où mes fibres? Ils sont là. On prend des fibres. On prend les fibres, il y a quoi ici? Des pierres, on prend 100 pierres pour le principe. Nota, bop. Hop, hop. Niveau poids, ça va totalement. Et alors, dans les objets déjà créés ici, qu'est-ce que j'ai? Je crois que j'ai une armoire ici quelque part. Non? Ah, j'avais déjà des fenêtres, j'ai une armoire. J'avais déjà des fenêtres, ça c'est dommage. C'est un peu dommage de ma part. J'avais des plafonds en bois sympa. J'aurais dû regarder ici, mais bon, en fait non, vu que j'ai... Ouais, non, c'est pas grave. Ici... Un escalier, est-ce que j'en ai encore besoin? On peut en prendre un, comme ça on en fait un craft un au moins là-bas. Fais moins de bruit quand tu fais popo, toi, s'il te plaît. J'ai une table, on va prendre la table. Niveau ressources, qu'est-ce que je peux prendre de plus? Je vais prendre un peu de peau vite fait. Un peu de silex vite fait. On va dire que c'est bon, hein. Par contre, ouais, je pourrais peut-être crafter déjà des flèches narcotiques. Après, on va pas tamer aujourd'hui, donc on va pas tamer le spin aujourd'hui. Donc en fait, c'est pas nécessaire. Ah. Est-ce qu'on s'est vraiment le bras? T'as enchaîné ou... T'as continué ou... T'as... ou... Juste le contre-coup encore. Psycho, t'as refait du Beat Saber? Oh, je suis tout lent, j'ai plein d'objets. Oh là là. Miguel, Alex Click, ouais, c'est ça. Lui, je l'ai découvert et je pense qu'il perce pas mal, hein. Enfin, dans le sens que avant... Parce qu'avant c'était un... Ouais, c'était quand même un gros streamer, je pense, peut-être, mais... Tiriri, tiriri. J'ai du mal à passer une épreuve. Je sais pas du tout comment ça se passe, un peu comme Guitar Hero, hein... Attends, ça dit quoi, mon endurance? Oh là 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 là. Ah, c'est chouette le plein écran pour les balades, je trouve. Bon, là, je bouge pas trop la caméra, hein, mais... Ah, c'est stylé. Oh, d'ailleurs, dans Beat Saber, tu peux faire la chanson du Zboob de Mister MV, il me semble. Attends. C'était quoi encore, là, les paroles? Mais j'adore le Zboob, hein, j'adore le Zboob. Je crois que c'est ça. Vous devez connaître, hein. Si vous connaissez pas, j'avoue, je serais déçu. Alors, que je me perde pas. C'est par là, hein. On y voit absolument R, les amis. Mon endurance, ça dit quoi? Ouh là là!
Ouh là 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 là, vite aller se poser quelque part avant que ça parte en couille. Genre ici là, hop là. Faut monter le gamin quand même un petit peu. Quoi tous ces points lumineux? Mais je voyais des points rouges qui... Je sais pas très bien. C'est une map un peu mystique, tu vois, donc il y a vraiment des... Ou alors tu parles peut-être des... Je sais pas de quoi tu parles. Tu parles des cristaux? Mais je sais qu'il y a plein de... Ou alors tu parles de ça? Oh, cette musique! Obligé, je reste en plein écran, là. C'est la magie, tu vois. Les points rouges, c'est la magie, c'est les petites fées de cet univers. C'est la magie qui sort de la terre. L'énergie de la nature. C'est ça, toutes les petites pastilles rouges qu'on voit flotter partout. Aïe, une branche. On y est déjà ? Ça manque de cristaux par ici, hein. Est-ce que ça respawn un petit peu? Mais regardez, il y a une ambiance verdâtre ici. Est-ce que je vais dedans? Je serai aussi un peu vert? Tous les dinos sont tous un peu verts comme ça. Vous voyez ici, il y a quelque chose qui éclaire. Je sais pas très bien quoi. Bon. Vous devez peut-être me prendre pour un fou là, mais... Oh, les faisceaux lumineux! Alors, attends. Expliquer, je me pose d'abord. C'est vrai que c'est Aye qui connaît le jeu, toi tu connais pas trop en vrai. Alors les faisceaux lumineux, ça, ce sont des loots